Mes chers collègues, nous recevons cet après-midi M. Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, qui a aussi été d'ailleurs député et président de la commission des lois, dont nous sommes nombreux à être membres au sein de cette commission d'enquête. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre disponibilité. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas faire d'intervention liminaire et préfériez passer directement à l'échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le ministre, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Bien, je vous remercie. Et donc, on va pouvoir, comme vous l'avez souhaité, passer aux questions-réponses. Évidemment, on a souhaité vous entendre à double titre, à la fois en tant qu'ancien garde des Sceaux, évidemment en exercice, et vous n'allez pas être le seul garde des Sceaux à être auditionné. Il y a l'actuel garde des Sceaux, évidemment, il y aura M. Bérou, nous allons voir prochainement M. Badinter. Enfin, voilà, on a fait des auditions assez largement. Et puis le deuxième titre, évidemment, c'est les poursuites dont vous avez fait l'objet devant la Cour de justice de la République et la condamnation, puisque l'objet de notre commission d'enquête ayant trait aux obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, évidemment que cet élément nous semble déterminant. Il a beaucoup été question dans nos auditions de la remontée d'informations. C'est pas que, mais c'est notamment un élément déterminant et important. J'ai pu suivre, comme une bonne partie de mes collègues, le procès, l'audience à la Cour de justice de la République et les éléments que vous avez pu apporter devant. Il y a pour moi quelque chose qui reste étrange et que je souhaiterais éclaircir avec vous. C'est que pour la quasi-totalité de nos interlocuteurs côté parquet, qui ont à procéder à cette remontée d'informations, du parquet jusqu'au parquet général, chancellerie, puis ministre, passant par le cabinet ou pas, tout le monde nous dit, de toute façon, depuis 2013, d'une, il n'y a plus d'instruction individuelle, d'accord, mais ça c'est pour la redescente, pas forcément pour la remontée, et deuxièmement, il n'y a pas les actes d'enquête ni la stratégie d'enquête. Or, dans les déclarations qui ont été faites, non pas par vous-même, mais par les autres personnes entendues lors du procès devant la Cour de justice de la République, il a été indiqué que, bien évidemment, il y avait des éléments de l'enquête et potentiellement de stratégie de l'enquête. Et je ne sais plus quelle personne à l'audience avait même déclaré, de toute façon, quand un ministre le demande, au bout d'un moment, on arrête de se poser des questions, ce qui a d'ailleurs un peu interpellé le président de la formation de jugement à ce moment-là. Alors, bon, il y a quand même la déontologie, le cadre institutionnel, etc. Vous défendiez le fait plutôt que dans les fiches d'action publique, finalement, il n'y avait rien de si extraordinaire et que parfois, on en savait même plus par voie de presse ou directement en allant voir sur Internet. Et qu'il y a une ambiguïté, c'est qu'on dit à la fois les remontées d'informations sont faites pour pouvoir permettre au ministre de communiquer au cas où il serait interpellé par voie médiatique et par voie politique à l'Assemblée nationale, et en même temps, on vous demande de garder ça secret. Donc soit c'est pour communiquer, soit c'est pour garder ça secret. Donc j'aimerais un peu avoir votre interprétation, votre vécu là-dessus. Est-ce que toutes les fiches d'action publique se valaient? Est-ce qu'il y avait des éléments de stratégie d'enquête ou pas? Est-ce que selon vous, ce sera la question suivante, mais qu'on pourra creuser ensemble, est-ce qu'il y a une vraie utilité à cette remontée d'informations en définitive? Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup. D'abord pour vous dire que je vais chercher à être utile. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des lacunes dans le droit et que dans l'intérêt du gouvernement, dans l'intérêt du Parlement, et évidemment au-delà dans l'intérêt des citoyens qui peuvent être attentifs à ces questions, je pense qu'il y a quelques ajustements dans la loi ou dans les décrets, et en tout état de cause, des éléments qui manquent aujourd'hui dans la réalité. Je vais me permettre d'abord, vous l'avez entendu parce que les magistrats vous l'ont beaucoup dit, il y a une base légale à la remontée d'informations et elle est en fait répartie en quatre domaines. Le premier domaine, et je me réfère, vous avez eu la gentillesse de le rappeler à mon passé de président de la commission, au rapport que le rapporteur qui était Jean-Yves Le Bouillonnec avait fait à l'époque.
Le premier élément qu'il met en avance dans son rapport, il y a d'ailleurs dans le rapport un paragraphe qui est consacré à la remontée d'informations. Il dit c'est nécessaire pour permettre au garde des Sceaux de bâtir sa réflexion sur la politique pénale qu'il peut avoir à conduire au titre de l'article 30 du Code de procédure pénale et de l'article 20 de la Constitution. D'ailleurs, en cela, ce n'était pas très novateur, puisque même si dans le droit c'était une rupture, c'était une recommandation que la commission Truche, en 1997, avait faite. Le droit, vous savez, a été tâtonnant, on pourrait éventuellement revenir sur cette question, mais quand le législateur le fait en 2013, il a le sentiment de franchir un pas supplémentaire dans l'indépendance de la magistrature et en même temps de correspondre à une revendication qui avait été faite en 1997. Deuxième motif, et là c'est l'alinéa 4 de l'article 30 du Code de procédure pénale qui aujourd'hui en est la base, il faut que le ministre, annuellement, présente au Parlement un rapport de politique pénale. Ce rapport de politique pénale, précise d'ailleurs l'alinéa, doit être, peut-être suivi d'un débat au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les remontées d'informations sont là pour nourrir ce rapport de politique pénale. Quatrième élément qui est moins discuté, parce qu'il est en réalité moins connu, c'est l'élément, mais je crois que Madame Pignon en a parlé hier, la directrice des affaires criminelles révélera, c'est la dimension d'entraide internationale qui justifie que quand le ministre peut être amené à rencontrer des collègues membres d'autres gouvernements, des éléments de précision peuvent être utiles pour permettre de faire avancer des dossiers qui peuvent concerner des citoyens français empêtrés dans des domaines litigieux. Et puis, il y a une quatrième direction qui est de permettre, et d'ailleurs, Christiane Taubira l'avait dit, j'allais dire, expressis verbis, dans les débats devant la commission des lois, j'ai recherché le terme exact, puisque c'était le 21 mai 2013, et elle disait « Ces signalements sont aussi pour vous, parlementaires, une source d'information fort utile qui vous permet de ne pas dépendre des médias pour connaître l'état des procédures. » Donc, remontée d'information, elle est destinée à permettre au ministre de répondre aux questions que vous lui posez à l'occasion des questions au gouvernement, mais même aussi des questions écrites que vous pouvez faire ou éventuellement des courriers que vous pouvez adresser. Quand je suis parti de la chancellerie, il y avait annuellement 8000 dossiers qui étaient suivis. Ça peut paraître beaucoup, c'est en réalité très très peu par rapport à ce que c'était en 2012, quand la législature a débuté, puisqu'il y avait alors, selon les chiffres qui ont été publiés par le directeur des affaires criminelles et des grâces depuis, 53 000 dossiers qui étaient saisis. Donc 53 000, on est passé à 8 000. Alors j'en viens à votre question plus précise, mais j'avais besoin de contextualiser tout cela pour essayer de rendre encore plus concrète ma réponse. Quel est l'intérêt de ces remontées d'informations? Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? La réponse est compliquée. D'abord, je vais me permettre, c'est parfaitement orgueilleux, mais de citer mon rapport de politique pénale, puisque j'ai rendu au Parlement, comme la loi m'y oblige, un rapport de politique pénale en avril 2017, dans lequel j'écris, et là le rapport j'ai déposé le 22 mai, hein, devant la commission des lois naturellement, il me paraîtrait cohérent que le Parlement soit en mesure d'évaluer la loi qu'il a votée, celle du 25 juillet 2013, l'exercice serait utile à tous, il pourrait par exemple mettre ainsi en lumière la pertinence et le processus de rationalisation engagé contre nombre de procédures donnant lieu à une remontée d'informations. Plus largement, il serait des plus instructifs de revisiter cette question des remontées d'informations, laquelle continue à alimenter tous les fantasmes et toutes les spéculations, en dépit du fait que les critères de signalement sont désormais fixés en toute transparence. Et j'ai eu l'occasion publiquement depuis, c'est pour expliquer que ma réponse n'est pas de circonstance, j'ai eu l'occasion dans un portrait que la revue Charles m'avait demandé de faire de celui qui était à l'époque procureur de Paris, c'est-à-dire François Molins, dans un article qui est paru en février 2018, dans lequel j'écris « J'espère qu'un jour, le législateur consentira à évaluer ce texte, je parle évidemment de la loi de 2013, ce qui permettrait de démontrer combien ces fameuses remontées d'informations auxquelles les parquets sont tenus de procéder à l'intention de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, sont bien souvent moins fournies et systématiquement bien plus lentes que celles qui alimentent nombre d'articles publiés dans la presse. » Tout ça pour vous dire donc que si je devais qualifier
l'intérêt de ces remontées d'informations qui ne sont pas en direction du ministre, qui vont à la direction des affaires criminelles et des grâces. Je dirais qu'elles sont mesurées. Il y a des cas où cela m'a été indispensable. Et je vais vous dire quel cas. Tous les mercredis, je participais au Conseil de défense autour du président de la République et autour du Premier ministre sur les questions, évidemment, de terrorisme. Et j'avais besoin de ces fiches d'action publique pour retracer dans le débat les parcours judiciaires, pénitentiaires de ceux qui étaient mis en cause dans des affaires qui avaient été engagées. Et nous avons eu l'occasion, d'ailleurs, à ces réunions de défense, de constater que pour l'institution à laquelle je participais, nos logiciels n'étaient pas performants, puisque le logiciel de la direction des affaires de la direction d'administration pénitentiaire n'était pas le même que celui de la direction des affaires criminelles et des grâces, et donc le passé des mises en cause n'était pas retracé de manière identique, ce qui était donc l'état avait des fragilités de ce point de vue, ce qui est évidemment difficilement acceptable. Les fiches d'action publique, comme les avait nommées le directeur des affaires criminelles et des grâces, m'étaient très utiles dans les conseils de défense. Je précise, mais vous l'avez entendu par les magistrats qui m'ont précédé, que naturellement, là aussi, les circulaires du directeur des affaires criminelles étaient extrêmement clairs. Il ne pouvait pas y avoir d'éléments de procédure, et le rapporteur d'ailleurs l'avait dit aussi, je vous cite ce qu'il avait dit dans les débats, ces remontées d'informations ne doivent pas être susceptibles d'influer sur l'engagement de la poursuite, ni sur le sort qui a été réservé par le ministère public à la question posée. Bon. Donc il y avait des éléments, mais pas d'éléments de procédure, il y avait de la narration, mais pas d'éléments d'enquête. Ces fiches m'ont aussi été indispensables, je l'évoquais tout à l'heure, à l'occasion de déplacements internationaux. Je me souviens notamment d'un déplacement où j'avais accompagné le Premier ministre en Algérie. Et il y avait énormément de procès dans lesquels il y avait des divorces, ou plutôt il y avait des divorces entre des couples mixtes franco-algériens, où il y avait des litiges extrêmement douloureux sur la garde des enfants. Et le fait d'avoir la possibilité d'en parler à mon collègue pour attirer son attention sur le fait que la France espérait des réponses, puisque nous avions par les voies tout à fait officielles demandé des éléments d'information, peut-être par la voie de direct, celle qui m'était offerte en accompagnant le Premier, je le pouvais. Pour le reste, j'ai le souvenir de deux fiches d'action publique qui m'ont intéressé. La première sur le procès AZF, parce que l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, avait décidé que ce procès se tiendrait à Paris. Et le procureur général de Toulouse attirait mon attention sur le fait que les victimes étaient toulousaines et que l'organisation de ce procès très attendu à Paris allait créer des difficultés, voire des troubles, qu'il était peut-être intéressant d'anticiper. Et là, je ne crois pas que j'aurais eu cette information autrement que par cette remontée d'informations sur une affaire en cours, puisqu'elle était engagée. Et puis, j'ai aussi eu, et vous voyez, je vous le cite de mémoire, parce que c'est assez rare que ça m'ait été vraiment utile, une remontée du procureur général de Pau, au moment où l'ETA avait décidé du désarmement unilatéral, et qu'il y avait donc une vaste opération de police judiciaire pour récupérer les armes dans 8 caches de l'ETA. Et ce qui a été surprenant, ce qui a justifié la remontée d'informations immédiate du PGPO, c'était le fait qu'il y avait 3,5 tonnes d'armes. Or, c'était la compétence du parquet de Paris et pas du parquet de Pau, puisqu'on était dans une affaire de terrorisme. Et qu'il y avait donc une difficulté de stockage des armes sur laquelle, tout bêtement, le ministre était informé des conséquences. Voilà. Si j'ai donné cet exemple en m'excusant d'avoir été un peu long, c'est pour vous montrer que je ne condamne pas en elles-mêmes les fiches d'action publique. Elles ont pu apporter ici ou là des éléments. Mais très loin de la fantasmagorie qu'elle génère et de la curiosité qu'elle suscite, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a là quelque chose de l'indicible, alors qu'en réalité, c'est une banalité confondante. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éléments. Je comprends bien la remontée d'informations au sens la remontée soit statistique sur des volumes de délits et des suites qui y sont données pour pouvoir faire de l'analyse, etc., sur un rapport annuel qui est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça me semble évident. Et d'ailleurs, à ce titre-là,
le garde des Sceaux n'a pas, je pense, sur son bureau toutes les fiches qui remontent. Elles sont mises dans le rapport, etc. La question, c'est quand il y a des affaires individuelles en tant que telles, de personnalités politiques ou autres, ça pourrait être de personnalités économiques d'ailleurs, peu importe, mais de personnalités qui touchent à des individus en tant que tels. Est-ce que ça, c'est vraiment utile? Mais, parce qu'il y a quelque chose aussi qui m'échappe. Je regardais, je crois que c'est donc du coup Madame Nizan qui disait lors du procès devant la Cour de justice de la République, ça lui permet de savoir exactement où en est l'enquête, dans quelle direction elle se dirige. C'est quand même une information non négligeable de savoir où en est l'enquête et dans quelle direction elle se dirige. Surtout si l'intéressé, pour des points sensibles, n'est lui-même pas au courant. Ce qui pose un problème sur le contradictoire, etc. Je ne vais pas refaire ici les débats sur enquête préliminaire versus instruction, etc., qui seraient des débats qui sont tout à fait passionnants et qui me passionnent. Mais, OK, il n'y a pas d'élément d'enquête dans 99,9% des fiches, mais... les 0,1% qui restent, enfin, visiblement dans celle de M. Solaire, il y avait des éléments de direction de l'enquête. Ou alors, on n'entend pas la même chose par élément de direction de l'enquête. Est-ce que vous pourriez préciser? Oui, évidemment. Dans le cas que vous citez, qui m'a valu le désagrément que vous supposez, le qualificatif d'entrave à la justice n'a pas été retenu. Ce qui traduit bien le fait que ces fiches n'annoncent rien. Elles n'annoncent rien. Elles ne parlent que du passé. Pour donner un autre cas, quand François Fillon, pendant la campagne présidentielle, a annulé sa visite au Salon de l'agriculture parce qu'il était convoqué par un juge, je l'ai appris en écoutant la radio. Je ne le savais pas. J'ai donc appelé le directeur des affaires criminelles des grâces en me disant « est-ce que c'est vrai ?» Parce que j'imaginais que mon service de presse, mon attaché de presse, peut-être moi-même aux questions d'actualité, allait être éventuellement interrogé sur l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, sur la caporalisation du parquet, que sais-je. Eh bien, il a fallu une heure au directeur des affaires criminelles des grâces pour me confirmer qu'effectivement l'information que diffusait l'AFP depuis déjà une heure et demie était vraie. Du coup, ça m'amène une autre question dont je suis sûr que vous allez pouvoir me donner la réponse, qui est la suivante. Est-ce que chez, à l'époque, votre collègue ministre de l'Intérieur, la remontée d'informations n'est-elle pas plus efficace et rapide? Parce que l'information, il faut bien qu'elle passe par quelque part. Les journalistes n'ont pas posé des micros dans tous les commissariats de police, ils n'ont pas tous les policiers qui leur fournissent des procès-verbaux, tous les greffiers, tous les procureurs, sachant qu'en plus tout cela est parfaitement entre guillemets illégal, puisque des journalistes sont eux-mêmes poursuivis pour recel d'informations dans le cadre de violation de secret d'instruction. Est-ce que voilà, le ministre de l'Intérieur est-il plus efficace que le ministre de la Justice dans la remontée d'informations? Vous imaginez bien que je ne vais pas me livrer à une comparaison. Ce que je peux vous dire, puisque vous m'avez demandé mon ressenti de mon expérience, le ministère de la Justice, à bien des titres, n'est pas exactement la quintessence de la célérité. Et pour tout vous dire, au fond, ce n'est pas si préjudiciable que ça puisse paraître. Parce que dans l'action de justice, le temps est un élément utile. Et notamment sur ces histoires de remontée d'informations. Ça permet bien souvent, quand on a une remontée d'informations, de dégonfler a posteriori bien des éléments qui avaient été diffusés de manière un petit peu probablement trop rapide et qui permet justement au ministre, s'il est interrogé, puisque dans ces cas-là, d'où viennent les questionnements? Le questionnement ne vient que des parlementaires. Parce que tous les mercredis ou tous les mardis à l'époque, nous avions la possibilité de répondre à des questions. Donc, moi, quand un ministre, et ça, je me souviens avoir eu plusieurs questions, notamment au Sénat, sur des interpellations qui avaient eu lieu suite à des violences urbaines, il m'était possible de dire à la sénatrice qui m'interrogeait que ce qu'elle relatait n'était pas la réalité judiciaire. Et donc, moi, je ne sais pas comment fonctionne le ministère de l'Intérieur. Je ne l'ai jamais été. J'ai constaté que dans les réunions à laquelle les ministres de l'Intérieur qu'il m'est arrivé de côtoyer et participer, ils avaient des informations, mais je ne connais pas leur process de raffinage de leurs propres informations.
Merci, monsieur le ministre. Une dernière petite question avant de laisser la parole au rapporteur et aux autres collègues qui ont aussi des questions. De toute façon, on entendra les ministres, des ministres de l'Intérieur sur la question, mais c'est quelque chose qui interroge évidemment. Vous avez été le premier ministre à expliquer qu'il y avait une clochardisation de la justice et que les moyens étaient... il faut dire ce qu'il y a en berne. Il n'apparaît pas tout de suite évident que ça puisse avoir un lien avec l'indépendance de la justice, mais au fil des auditions, je crois que ce soit du côté parquet, siège, que ce soit les greffiers, les avocats, etc., tout le monde constate que le manque de moyens de la justice entrave l'action de justice et ne permet pas aux magistrats finalement, d'avoir à la fois le temps, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, parce que si le temps de l'enquête est long, le temps que le magistrat y passe, lui, est court, puisqu'il faut qu'il enchaîne les dossiers. Est-ce que tout ça est véritablement un problème d'indépendance ou juste un problème de budget pour vous, selon votre expérience au ministère ? D'abord, je vous confirme qu'à mes yeux, le seul texte utile dont la justice ait besoin, c'est le projet de loi de finances. Que la situation... Quand j'avais utilisé ce terme de clochardisation, les magistrats ne l'avaient pas immédiatement bien accepté, parce qu'ils avaient interprété cela comme étant une manière de déprécier l'action de justice. Et j'avais été critiqué. Et j'avais d'ailleurs été très surpris de l'être, puisqu'il me semblait qu'il valait mieux critiquer la réalité que je dénonçais que le mot que j'utilisais. Parce que Marc Aurèle dit qu'un juge en capacité de juger doit être serein. Seul un juge en capacité en sérénité doit pouvoir juger. Un juge qui travaille dans des conditions déplorables n'est pas serein pour juger. Alors, est-ce que le budget a à voir avec l'indépendance ? Vous avez certainement entendu des magistrats ou des associations de magistrats ou des structures de magistrats vous le dire, et notamment des magistrats du siège, qui considèrent que de gérer le budget serait un gage d'indépendance. Moi, je m'intéresse à la finalité. Quel est le meilleur moyen d'obtenir des crédits pour le ministère de la Justice ? Et je ne crois pas qu'autonomiser la gestion du ministère de la Justice, par exemple en la donnant à un Conseil supérieur de justice, comme cela est parfois proposé, y compris par le CSM, je ne crois pas que ça soit au bénéfice de l'institution pour avoir, dans les quelques mois où j'étais garde des Sceaux, passé énormément de temps sur ces questions budgétaires. Je sais l'âpreté de la négociation avec le ministère du budget. Quand bien même il y a un Premier ministre, ce qui était le cas de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, qui était plutôt enclin à appuyer, quand bien même le président de la République venait inaugurer des palais de justice pour dire « nous allons mettre des crédits ». Donc, quand bien même j'avais l'appui de l'exécutif, le ministre du budget était moins enthousiaste à l'idée de ces dépenses. Et donc, je me dis que si c'est le Conseil supérieur de justice qui doit discuter, je ne suis pas certain que le résultat soit meilleur. Donc, c'est la seule arête dans laquelle je rentre sur ce débat sur le budget. Est-ce qu'il est utile à l'indépendance ? Je ne le vois pas. Par contre, je suis convaincu qu'effectivement, le besoin d'argent de la justice est préjudiciable à ce qu'attendent les justiciables. Parce que nous parlons depuis le début de notre entretien de la justice pénale. Parce que c'est celle qui intéresse, parce qu'elle est spectaculaire, parce qu'elle descend des budgets, des JB, donc il y a toujours un côté spectaculaire. Mais la justice du quotidien, c'est la justice civile, c'est la justice prud'homale, c'est les problèmes de litige, de servitude, de passage. Et celle-là, elle se déroule, elle se rend dans des conditions qui sont déplorables. Et donc, oui, ce message me paraît encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 ans. Bien, merci Monsieur le ministre. Je laisse la parole à Didier Paris, rapporteur. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le ministre, merci à vous de... Je ne vous vois pas, je ne sais pas si ouais, c'est le temps que... Bon bref, merci à vous de nous consacrer une partie de votre temps précieux. Moi je ne vais volontairement pas reparler des fiches d'action publique et autres, ça a été très largement évoqué dans le cadre de la Cour de justice de la République. Les débats étaient publics. Les membres de la commission pourront en tirer toutes les conséquences qu'ils jugent utiles par rapport à l'objet qui est le nôtre, qui est celui de l'indépendance de la justice. Au surplus, j'étais moi-même membre
de la Cour de justice, donc je ne souhaite pas entrer déontologiquement dans un débat trop précis sur ce point-là. Par contre, volontairement, je voudrais vous poser trois séries de questions rapides et volontairement plus larges, si vous permettez. Vous avez, comme ça a été très bien rappelé par Hugo Bernalicis, vous avez une très forte expérience, soit en tant que parlementaire, président de la commission des lois, c'est pas rien, en tant que garde des Sceaux, pendant un temps relativement court, mais qui, je crois pouvoir le dire, a marqué quand même les esprits, parce que vous avez été un garde des Sceaux actif, volontaire, déterminé, je crois que chacun peut le reconnaître. Par rapport à cette expérience, quelles leçons aujourd'hui, monsieur le ministre, pourriez-vous en tirer en termes d'indépendance de la justice? Est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui être dans une zone que on doit considérer comme satisfaisante? Est-ce qu'au contraire, vous y voyez des lacunes? Vous avez utilisé le terme de lacune tout à l'heure. Est-ce que vous y voyez des lacunes? Qu'est-ce qui vous semble, le cas échéant, nécessaire pour intervenir, pour lever les freins à l'indépendance? Au fond, notre mission n'a que cette vocation-là, chercher les freins éventuels, évidemment, à l'indépendance. Quel est votre regard par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, vous estimez que l'accumulation des textes sans toujours prendre le temps de l'évaluation est en soi un frein? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez, à très juste titre, me semble-t-il, parlé d'une justice plurielle. Il n'y a pas que la justice pénale. Vous ne l'avez pas évoqué, mais nous allons entendre vendredi des présidents de tribunaux de commerce, par exemple, qui sont par nature dans une situation parfois délicate au regard de l'indépendance fonctionnelle dans laquelle il se trouve. Enfin, quel est votre regard aujourd'hui de l'indépendance, de l'évolution de l'indépendance de la justice et éventuellement des préconisations qui pourraient être les vôtres? Ça, c'est ma première série de questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Votre question, elle est passionnante parce que cette notion d'indépendance de la justice, elle est vitale. Elle est vitale et elle doit être considérée comme n'étant jamais acquise. Définitivement acquise. Pour une raison très simple, c'est que vous pouvez imaginer tous les textes du monde pour la garantir. En réalité, l'indépendance, ce sont les hommes ou les femmes qui sont des magistrats qui l'exercent. Et qui donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que l'indépendance de la justice. Si on reprend le vocabulaire de la CEDH, il y en a deux. Il y a l'indépendance dont nous parlons depuis le début de cette audition, et l'indépendance que la CEDH qualifie d'externe et collective, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs. De la magistrature, de l'autorité judiciaire vis-à-vis du pouvoir législatif. Il fut un temps, je pense à 1791, où le tribunal de cassation, le prédécesseur de la Cour de cassation, était placé à côté du corps législatif. Et donc le débat était entre le corps législatif et le tribunal de cassation. Aujourd'hui, on parle plutôt de l'exécutif. Bon. Mais il y a une autre indépendance, et elle me paraît au quotidien beaucoup plus importante. C'est l'indépendance que la CEDH appelle interne, individuelle, c'est-à-dire du magistrat vis-à-vis de lui-même. Dans les responsabilités que j'ai eu l'honneur d'exercer, il m'est arrivé d'avoir à décorer des magistrats très impressionnants. Je pense à Pierre Truche, qui a été procureur général près de la Cour de cassation, puis premier président de la même cour. Et allant lui remettre les éléments, là, les insignes de grand croix de la Légion d'honneur, je lui avais demandé, parce que j'allais aller à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, rencontrer les jeunes auditeurs de justice. Et j'avais demandé à Pierre Truche, mais quel message dois-je faire passer de votre part aux jeunes magistrats sur l'indépendance de la justice? Et Pierre Truche m'avait dit, dites-leur ce que j'ai toujours vécu, c'est-à-dire je me suis toujours méfié de mes propres dépendances. Donc l'indépendance de la justice, ça commence par la déontologie, ça commence par la formation, parce qu'il faut que le magistrat se départisse pour atteindre l'impartialité, qui est une notion d'ailleurs qui me paraît au moins aussi intéressante que celle d'indépendance. Il se départisse de ses propres valeurs, qui viennent en général de son éducation, de son milieu. Il faut qu'il se départisse de ses propres convictions, pour être en capacité d'être ce regard distancié qui va permettre d'apaiser. Cette indépendance-là, c'est pas par la Constitution, c'est pas par des lois, c'est pas par des décrets, c'est par une éthique. C'est par une formation. Mais il y a d'autres éléments qui me paraissent devoir perturber l'indépendance. C'est, par exemple, une indépendance dans une collégialité. Les magistrats, ils sont membres de collégialité, parfois dans un délibéré,
parfois à l'Assemblée générale de leur juridiction. Le débat collectif, il est formidablement utile parce que c'est parfois une source d'humilité. C'est régulièrement d'ailleurs aussi une source d'introspection en disant « mais comment fais-je mon travail ?» En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans mes discussions avec les magistrats dans les visites que je faisais. Mais il peut arriver que par soumission ou par démission, on se plie au groupe. Quand un magistrat choisit de participer à une association de magistrats pénalistes, de juges d'instruction, quand il adhère à un syndicat, le débat collectif peut être aussi une source d'influence sur sa décision. Et puis, il en est, vous allez m'excuser d'être aussi long à chaque fois, mais il y a une dernière source d'influence sur l'indépendance. C'est l'impact médiatique d'une décision. Heureux les magistrats que les affaires, dont les affaires n'intéressent pas les médias. Parce qu'imaginez ce qu'est... Juger, ce n'est pas un don. Juger, c'est une tâche, et elle n'est pas simple, et elle n'est pas confortable. Mais quand le magistrat doit prendre cette décision, où il sait qu'elle va être commentée, critiquée, amplifiée, qu'elle va résonner, qu'elle va se répercuter, ne pensez-vous pas que cet impact-là joue aussi sur la manière avec laquelle il aborde le sujet? Donc, tous ces éléments sont des éléments qui viennent nourrir la réflexion intérieure que doivent avoir les magistrats, et c'est la raison pour laquelle je pense que les efforts de demain, ils sont sur la déontologie, ils sont sur la formation. On a une école très particulière, l'École nationale de la magistrature, elle est parfois discutée. Moi, je la trouve très performante, très efficace. Je pense que son directeur, que j'ai eu la chance de nommer Olivier Laurent, est un formidable magistrat qui s'est tiré vers le haut cette formation, qui demain va renforcer ces magistrats qui vont avoir, comme le disent leurs formules, à décider au nom du peuple français. Merci, Monsieur le ministre. Finalement, vous avez vous-même fait la transition avec ma deuxième série de questions, c'était les relations avec la presse, qui sont absolument majeures. Nous n'avons pas entendu Jacques Toubon, ancien ministre, mais il nous a fait une réponse écrite où, s'agissant de l'indépendance, il met la presse comme étant le premier élément de risque en termes d'indépendance de la justice. Premier élément pour lui. Déjà, je voudrais savoir si c'est aussi dans votre hiérarchie des valeurs à ce niveau-là que vous le placez, et ça vous permettrait, le cas échéant, d'un peu mieux répondre à ma première question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en dehors de l'éthique, et comment, vous semble-t-il, l'indépendance de la justice dans son ensemble a-t-elle pu évoluer? Je ne parle pas que des magistrats d'ailleurs, la justice est beaucoup plus large, et nous avons un problème qui reste résiduellement mal résolu, celui du secret d'enquête et de l'instruction. Nous allons auditionner après vous Jean-Michel Prêtre. Ce n'est pas pour rien, on est en plein cœur de ce débat-là. Donc, qu'est-ce qui vous semble raisonnablement possible d'améliorer dans le cadre des relations avec la presse? Est-ce que c'est pour vous le problème central ou en voyez-vous d'autres? Non, ce n'est pas un problème central. Le problème central serait l'absence dans le droit positif de règles qui fragilisent les magistrats. Et donc, du coup, je considère que les garanties constitutionnelles qui sont apportées aujourd'hui aux magistrats du siège, l'inamovibilité, les conditions de nomination me paraissent protectrices pour cette indépendance. Ça, si cela manquait, alors je vous conseillerais de légiférer. Il me semble que l'on pourrait ajuster les conditions de nomination des parquetiers, pour tout simplement mettre le droit en conformité avec la pratique. Depuis Rachida Dati, aucun ministre de la Justice ne s'est proclamé chef des procureurs. Et là encore, si vous me permettez une illustration, cette nomination qui est souvent évoquée comme étant une traduction de l'autorité hiérarchique du ministre sur le parquet. Concrètement, comment ça se passe? Moi, j'ai nommé 800 parquetiers dans les 16 mois que j'ai passé à la chancellerie. Il y a en France 1700 parquetiers à peu près, sur les 8000 et quelques magistrats qu'il y a. J'ai nommé ces 800 parquetiers en suivant scrupuleusement l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. La seule chose que j'ai faite qui m'est particulière, et dont je suis d'ailleurs assez fier, et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles mon image n'est pas trop dégradée auprès des magistrats,
c'est que j'ai publié à date certaine ce qu'ils appellent la transparence. Vous savez, ce mouvement annuel des magistrats qui vont partir dans une autre juridiction, siège et parquet. Et dans les années qui précédaient, cette transparence était aléatoire, ce qui à la fois perturbait les magistrats et perturbait les juridictions. Et j'avais été très surpris d'ailleurs de constater qu'ils attendaient ça, et moi j'avais pris l'engagement de le publier à une date fixe, ça a été fait les deux fois que j'ai eu l'occasion de le faire, on en a beaucoup parlé. Eh bien, pour ce qui est des 800 parquetiers que j'ai nommés pendant les 16 mois, j'ai à chaque fois vu le même phénomène. La directrice des services judiciaires, qui était à l'époque Madame Thuot, revenir déconfite ou heureuse des négociations, parce qu'il s'agit bien de cela, entre la DSJ, hors la vue du ministre, et le CSM. Et elle revenait en me disant, voilà le résultat. Voilà les personnes que vous allez nommer. Et j'ai nommé tous ceux que le CSM choisissait. Donc en réalité, dans la pratique, l'avis simple du CSM est un avis conforme du CSM. Avant moi, Christiane Taubira n'avait jamais mordu le trait. Après moi, il me semble que Mme Belloubet ne l'a jamais fait non plus. Et je peux remonter ainsi à Mme Alliot-Marie et Michel Mercier, y compris. En réalité, Rachida Dati était la seule qui, depuis une période très ancienne, puisque ni Elisabeth Guigou ne l'avait fait non plus, il y avait eu ce qu'on appelle des passés outres. Bon. Ça, il me semble que d'inscrire dans le marbre de la Constitution ces conditions de nomination, c'est un élément de renforcement, de solidité du parquet. Je l'avais tenté, parce qu'il me semblait que cet élément-là, minimaliste, mais n'est pas un élément de compromis, c'est un élément de consensus. Il avait été voté par l'Assemblée nationale dès 1998, puis revoté, voté par le Sénat. Les députés de droite et de gauche, à l'époque il n'y avait que ceux-là, avaient été tous d'accord pour le faire. Et j'ai proposé au Premier ministre et au Président de la République en 2016 de remettre ce chantier. Il a été voté par l'Assemblée nationale en avril 2016, mais le Président du Sénat ayant fait savoir qu'il ne le voterait pas, le gouvernement n'avait pas inscrit ce texte à l'ordre du jour. Je le regrette, parce que je crois que c'est attendu. Il me semble d'ailleurs que le procureur Mattel a évoqué lors de votre audition, et je crois que ce serait une avancée considérable. La presse, vous avez déjà fait ce travail à la Commission des lois sur le secret de l'instruction. C'est un vaste chantier parce que je crois qu'en réalité, il tient à la procédure que nous utilisons, accusatoire ou inquisitoire, et qu'il me semble vain d'espérer juguler les dysfonctionnements que nous constatons. Je le regrette, j'en ai d'ailleurs été victime, et je le regrette. Je crois qu'au fond, ce qui est important, parce que c'est un mouvement qui est continu depuis les années 90, c'est qu'il ne se passe pas d'année où on renforce en toute bonne foi, les compétences du ministère public, au détriment des droits de la défense. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la procédure pénale, il y a un déséquilibre au détriment du mis en cause, du justiciable, du citoyen. Je crois qu'il faut rééquilibrer cela et permettre que les droits de la défense soient identiques à ceux de l'accusation. Parce que s'il y avait des violations, alors nous serions à armes égales entre les deux parties, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où le ministère public a une avance considérable, ce qui est d'ailleurs une forme de reconnaissance de son efficacité, parce que si le législateur tous les ans lui donne des compétences, c'est parce qu'il l'exerce avec rigueur et une grande conscience. Mais c'est au détriment des droits de la défense aujourd'hui. Merci. On peut se rejoindre assez vite sur le fait que en 2016 ou 2017, la réforme constitutionnelle a été bloquée et que nous sommes malheureusement toujours dans les mêmes conditions. Et que nous sommes nombreux à penser qu'elle devrait effectivement confirmer la réalité, sauf à aller chercher d'autres évolutions dans le CSM, dans la Cour de justice de la République ou autre. Je voulais juste aussi faire un aparté pour vous dire que je salue volontiers avec vous la mémoire de Pierre Truche, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler un peu, et je me souviens du procès Barbie en particulier, sur lequel il avait été particulièrement brillant et d'une efficacité redoutable. Ma dernière question, c'est, vous avez vous-même évoqué l'espace international européen comme étant un des considérants qui sont importants pour un ministre de la Justice. Est-ce que pour vous, les règles supranationales, singulièrement européennes, mais on peut élargir le débat, sont plutôt un facteur d'indépendance ou au contraire de,
de contraintes à l'égard de la justice française. Moi, je vois deux points. On doit rapidement évoquer la notion de parquet européen. Vous avez abordé accusatoire, inquisitoire, c'est un vieux débat, il évolue. À petite touche, mais il évolue. Et peut-être ce texte-là le fait-il encore un peu évoluer, finalement. En tout cas, c'est une analyse qu'on peut avoir. Mais en même temps, on a non pas seulement la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour de justice, qui a donné raison au parquet français en reconnaissant une forme d'indépendance qui est la sienne et en reconnaissant la valeur des mandats d'arrêt internationaux des Français. À votre avis, comment la France peut-elle se situer dans cet échelon international? Est-ce que ça lui est plutôt favorable, défavorable? Comment vous sentez les choses, si je peux me permettre cette expression? Moi, je crois que la CEDH, essentiellement, c'est moins vrai pour la Cour de justice, en tout cas, je l'ai moins vécu, c'est un aiguillon dont il serait stupide de se passer. C'est formidablement utile pour nous, parce que ça nous permet de progresser, tout simplement, dans le respect des droits. Le respect du contradictoire, la notion de délai raisonnable, la position du parquet. C'est sous l'influence des décisions de la CEDH que nous avons avancé dans la loi pour permettre justement de rendre compatible ce qui est un dilemme terrible, l'indépendance et la hiérarchie. Eh bien, s'il n'y avait pas eu l'aiguillon de la CEDH, nous n'aurions pas probablement fait ces travaux qui, au final, sont bénéfiques au bien commun. Donc, pour moi, c'est plutôt le socle des valeurs européennes nous conduit toujours vers plus d'indépendance. Et je vous ai dit que pour moi, c'était un horizon qui n'était pas borné. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à Maud. Merci, Monsieur le Rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je passe la parole maintenant à Vincent Bru, qui pose la question suivante. Merci, monsieur le Président. Bonjour, monsieur le ministre. À la première question qui a été posée par le Président, vous avez très bien expliqué les quatre motifs des remontées d'informations et donné beaucoup d'exemples de manière très pédagogique. Mais vous avez commencé vos propos en disant qu'il y avait des lacunes dans le droit et qu'il devait y avoir certainement des ajustements tant sur le plan législatif que réglementaire. On aimerait un petit peu que vous puissiez développer cette idée. Et puis la deuxième question, vous avez évoqué la question de la déontologie et de la formation des magistrats. Est-ce qu'à votre avis, la formation tant initiale que continue des magistrats est suffisante et comment pourrait-on l'améliorer sur la question de la déontologie? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, j'ai dit qu'effectivement, il y avait des améliorations à mes yeux possibles sur le droit. Si on évoque à nouveau cette question des remontées d'informations. Aujourd'hui, le circuit de diffusion de ces éléments est coutumier. Il ne repose sur aucun texte. J'imagine d'ailleurs que depuis le jugement de la Cour de justice de la République, l'actuelle directrice des affaires criminelles et des grâces a modifié la circulation de l'information de ces fameuses fiches d'action publique. Et quand on est sur la coutume, c'est rarement au bénéfice de la clarté. Et moi, je crois qu'il serait tout à fait intéressant de préciser, par exemple, s'il y a un degré de classification de ces éléments. Parce que ces fiches d'action publique, qui sont donc la matérialisation de ces remontées d'informations, ce ne sont que des documents administratifs. Elles ne sont absolument pas identifiées. Moi, quand je finissais de lire une fiche d'action publique, elle allait dans ma poubelle, ou elle repartait à mon directeur de cabinet. Et je pense que pour protéger le ministre et pour protéger ceux qui sont les destinataires de ces fiches d'action publique, dont le circuit, au moins pendant le temps où j'étais à la chancellerie, était décidé par le directeur des affaires criminelles et des grâces et mon directeur de cabinet. Donc je crois qu'il y aurait intérêt à normer ce circuit de diffusion, comme le sont par exemple, puisque pour le coup j'en avais une responsabilité directe, les éléments qui viennent de ce qui s'appelait à l'époque le Bureau central du renseignement pénitentiaire, qui a changé de nom aujourd'hui pour devenir un service, mais pour le coup les notes que remontait le Bureau central n'étaient pas diffusées de la manière administrativement classique. Il y avait une forme de restriction liée aux informations contenues. Ça me paraît être un progrès qui pourrait être fait. Il en est un qui m'est plus important, qui est lié justement à la Cour de justice de la République, dans laquelle il a donc été décidé sur, pardon de le dire comme ça, sur une décision que je trouve juridiquement hésitante, que le ministre était dépositaire d'un secret professionnel. Bon. Et la Cour dit dans son jugement, je vous le lis, la CJR observe
à la lumière de la jurisprudence européenne, que la révélation d'un secret professionnel peut trouver un fondement légitime si elle est justifiée par un motif d'intérêt général dont l'importance doit être proportionnée à la gravité de l'atteinte portée au secret. J'en tire comme conclusion qu'on peut donc violer le secret professionnel, d'après la CJR, si c'est justifié par l'exercice de la liberté d'expression dès lors que ça s'inscrit dans un cadre d'intérêt général. Et la CJR renvoie à une décision que j'ai regardée depuis, qui est une décision du 18 mai 2004 de la CEDH, qui était sur le procès de la maison Plomb contre France sur le livre du docteur Gubler de François Mitterrand qui portait en réalité le secret médical. Bon. Et on en est là. Donc je crois qu'il y aurait intérêt dans l'intérêt du gouvernement et du débat parlementaire que l'on explique ou que l'on précise dans quelles conditions un ministre peut s'exprimer. Parce que le procureur, c'est simple, paradoxalement. C'est écrit dans l'article 11 du Code de procédure pénale. On sait dans quelles conditions le procureur peut transmettre des éléments. Mais aujourd'hui, on nous dit, le ministre, il a un secret, il y est tenu, et en même temps, il peut s'en émanciper si ça porte une atteinte, si c'est proportionné à la gravité de l'atteinte. Je crois que le législateur serait utilement inspiré d'essayer de définir ce que c'est cette géographie, parce que personnellement, je la trouve assez gazeuse. Voilà. Sur la déontologie des magistrats, écoutez, là, honnêtement, je n'ai malheureusement pas d'idée à suggérer. La formation, à mes yeux, est de qualité. Elle risque de souffrir, comme toutes les écoles, d'un fonctionnement par trop autarcique, toujours. Moi, je suis assez surpris, parfois même inquiet, quand je vois certains de mes étudiants devenir auditeurs de justice et dont le premier poste sera juge d'instruction. Je pense que c'est compliqué. Je suis plutôt, de ce point de vue, intéressé par les systèmes, par exemple, anglais, où il y a une activité dans le droit avant de devenir en charge de libertés individuelles. Voilà. J'ai rencontré comme ça dans mon souvenir une jeune magistrate qui sortait juste de l'école et qui était confrontée à la solitude du juge d'instruction. Je crois que justement, si je faisais référence alors à Marc Aurèle, je crois qu'elle n'était pas sereine. Elle. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Je laisse la parole maintenant à Erwan Baladan pour la question suivante. Oui, bonjour, bonjour monsieur le ministre. Vincent Bru a posé la question que j'avais aussi l'intention de vous poser, donc vous y avez répondu sur le sujet des aménagements, des ajustements législatifs qui pourraient être faits. Et dans la fin de votre intervention, vous venez de faire une transition vers une question que je voulais vous poser. Parce qu'on parle effectivement beaucoup de la question de l'indépendance de la justice. Et je crois qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'elle est en réalité, de ce que ça recoupe, chez nos citoyens. Je suis souvent surpris de voir des citoyens qui nous demandent parfois d'intervenir sur tel sujet alors que justement il y a un procès en cours ou alors leur situation a été jugée. Ça nous arrive fréquemment. Et je trouve effectivement qu'il est utile de rappeler les deux points, si vous voulez, comme un peu sur la balance, que nous donne la CEDH. Et moi, je voulais rebondir sur une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait collectivement, nous les parlementaires, sans doute l'éducation nationale, à faire un travail sur ce qu'est la justice et sur ce qu'est son fonctionnement? Je suis toujours assez surpris de voir que les citoyens ne connaissent pas vraiment la justice. Alors, c'est une question qui dépasse et déborde le cadre des auditions, mais je pense vraiment que la question de la connaissance de la justice permettrait justement d'être plus serein, comme vous le souhaitez et comme vous le dites, sur cette question de ce qu'est l'indépendance de la justice. Merci, monsieur le député. Vous savez, votre question, vous avez évidemment raison, il y a une très grande ignorance des mécanismes, mais, et ça est lié par exemple à une des questions que le rapporteur m'a posée, que j'ai reçue par mail, c'est le fait qu'on peut en France, il n'y a qu'en France,
on peut tout à la fois, dans une carrière, passer du siège au parquet. Et je crois que, même si ça concerne peu de magistrats, parce qu'en réalité, on pense qu'il y a entre 13 et 15% du corps qui passe alternativement. Il y a une spécialisation très rapide, en réalité, dans les métiers. Et d'ailleurs, la séparation est évidemment totalement absolue dans la réalité judiciaire. Mais mettons-nous à la place du justiciable, qui voit, quand il rentre dans une salle d'audience avec le cérémonial qui sait, vous savez, le proverbe Badinter dit toujours que la justice, ce sont des codes et des colonnes. Et donc, quand on est rentré dans le temple de Thémis et qu'on a cette salle, et l'on voit dans le même costume, le même décor, que l'on voit installé à la même place, ou en tout cas voisins, dont on sait qu'ils sont dans la même école, qu'ils ont prêté le même serment. C'est-à-dire que cette mixité que les magistrats défendent, et je le comprends puisque c'est une ouverture de poste plus importante dans leur déroulement de carrière, et donc ils peuvent être à ce titre partisans du statu quo, ce que je crois légitime. Mais en même temps, il peut y avoir là une source de confusion pour celui qui est devant. Quand on est dans une salle du tribunal, vous connaissez bien le tribunal de Quimper, monsieur le député, c'est la même porte pour rentrer pour le parquet, pour le siège. Et donc, quand vous expliquez après aux citoyens, aux justiciables plutôt, que le siège est constitutionnellement indépendant et que le parquet est sous l'autorité du garde des Sceaux, ils ne savent quoi pas penser. Donc, je pense que cette proximité peut apparaître comme de la consanguinité. Et c'est un facteur de confusion, me semble-t-il, qui nuit à la compréhension de nos concitoyens, en tout cas celle qu'ils peuvent avoir de l'institution judiciaire. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Cécile Untermeyer. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. Très heureuse de pouvoir discuter un peu avec vous et vous dire que j'ai tout à fait entendu ce que vous avez dit sur la déontologie. Et je pense qu'effectivement, c'est une façon d'accompagner le changement de vie et les modalités d'exercice de la profession de magistrat. Et que cette déontologie qui a été difficile à faire admettre finalement est à mon sens c'est une identité culturelle qui traverse en fait toute notre société et tous les acteurs. Moi, je voulais vous interroger sur la responsabilité des magistrats et sur l'idée que l'indépendance ne signifie pas le repli, mais trop souvent signifie le repli et l'isolement. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous considériez que cette justice, tout en ne sacrifiant pas cette exigence d'indépendance qu'elle doit avoir dans son corps, dans son âme, puisse davantage s'ouvrir à la société et pour rejoindre les préoccupations de mon précédent collègue, qu'elle soit indépendante, mais en même temps accessible et compréhensible. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je sais qu'il y a des conseils de juridiction qui se mettent en place et qui sont finalement, pour reprendre une de vos expressions un peu gazeuse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de qui ils sont composés. Je pense que les parlementaires, en particulier quand ils sont investis dans ces questions, devraient pouvoir y être invités. Mais on a trop le sentiment finalement dans les juridictions, d'avoir à pousser la porte avec une forme de réserve, un peu de malaise, qui, me semble-t-il, ne devrait plus être. Voilà les questions que je voulais vous poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Nous avons en commun le souvenir justement de la bataille que vous aviez menée justement pour imposer ces questions de déontologie dans la loi de 2016, puisque ce n'était pas l'intention du gouvernement. Le gouvernement souhaitait simplement un entretien déontologique et vous aviez souhaité que ça soit justement des déclarations en comblant d'ailleurs une lacune que le gouvernement n'avait pas vue, qui était sur le premier président de la Cour de cassation et sur le procureur général. Vous aviez poussé à ce collège. D'ailleurs, ça fait écho à votre débat d'aujourd'hui. C'est que dans les années 80-90, les questions de déontologie étaient appréhendées par les magistrats comme étant une source supplémentaire d'entrave à leur indépendance. Ils estimaient que c'était un moyen que le pouvoir politique utilisait pour essayer d'être un peu plus coercitif. Et bien qu'aujourd'hui,
vous savez que nous avons eu ce débat très important. Le CSM voulait récupérer ce collège de déontologie, estimant qu'il était le seul à avoir une compétence de principe, et ce n'est pas ce que les parlementaires ont décidé, puisque pour le coup, vous l'avez décidé dans une commission mixte paritaire, et le gouvernement simplement en a pris acte. La question de la responsabilité, elle est consubstantielle à l'indépendance. Il semble que, à mes yeux, c'est aujourd'hui une des questions les plus compliquées à résoudre, parce que quand le juge, je parle bien du juge ici, pas le ministère public, quand le juge n'était que d'exécution de la loi, c'est-à-dire Montesquieu, quand il était la bouche par laquelle parlait la loi, il n'y avait pas de problème de légitimité, il y avait un raisonnement qui était syllogistique, et puis la question ne se posait pas. Mais à compter du moment où aujourd'hui le juge est une source du droit, avec peut-être même autant d'intensité et d'authenticité que le Parlement, il ne me semble pas illégitime que l'on pose la question de quel droit. Parce que vous, parlementaires, vous tirez la légitimité à transformer les mots en droit de votre élection. Quelle est la légitimité du magistrat qui transforme ces mots en normes ? Et il me semble qu'il faut avoir cet échange-là. Dire, comme je l'entends parfois, et j'ai eu l'occasion de le combattre, je me souviens notamment d'un débat organisé par la Cour de cassation au Sénat, dans lequel on m'expliquait que tout ce qui venait du CSM était indépendant par nature. J'ai toujours combattu cela parce que ça me paraissait être une nouvelle jeunesse, cette vieille théorie de l'Ancien Régime que l'on appelait la grâce d'État. Tout ce qui vient d'un magistrat n'est pas juste par fonction. Donc il y a une question de la légitimité et donc de la responsabilité. Et pour ne pas simplement être dans les constats, je crois qu'il y a des efforts à faire dans les motivations des décisions. Là aussi, j'ai eu l'occasion de l'évoquer au congrès de l'Union syndicale des magistrats à Dijon. Quand un magistrat rédige son jugement, je ne suis pas certain qu'il intègre toujours que son autorité va découler de la clarté autant que de sa force de conviction. Et que la motivation, et ça vaut d'ailleurs y compris pour le juge constitutionnel, la motivation, c'est le seul moment, c'est une occasion unique pour le magistrat de s'adresser au Parlement, au gouvernement, aux justiciables, aux autres juges, à la communauté juridique, pour essayer de faire partager sa conviction. Et il me semble que de cette motivation dense se nourrira le pacte de confiance que les magistrats qui rendent la décision au nom du peuple français doivent toujours avoir à cœur à entretenir avec le peuple. Il y avait peut-être une deuxième question dans votre propos, Madame la députée. Il faut que tu rallumes le micro, Cécile, on ne t'entend pas. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Oui, ma deuxième question, Monsieur le ministre, c'était indépendance et en face de l'indépendance, le repli et l'isolement. Comment peut-on à la fois avoir une justice plus accessible, plus ouverte, plus explicative et en même temps, bien sûr, indépendante? Et je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part de cette institution qui en a déjà fait beaucoup. Et je me posais la question des conseils de juridiction qui devraient, me semble-t-il, être systématiquement ouverts aux députés ou parlementaires qui en expriment le souhait, ne serait-ce que parce qu'il faut aussi comprendre les mécanismes quand on va s'interroger ensuite sur le mode de fonctionnement de ces institutions. Évidemment, je ne voulais que dans votre sens, chaque fois que la justice s'ouvre, elle progresse dans l'exercice de responsabilité et de conviction. Et d'ailleurs, Monsieur Lavanant le disait tout à l'heure aussi, je pense que c'est vraiment utile. Les magistrats, d'ailleurs, l'ont bien compris, le fait qu'ils participent de plus en plus à des opérations. Alors, plus souvent le parquet que le siège. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le juge du siège. Plus souvent le parquet que le siège. C'est d'ailleurs un peu dommage parce que on voit beaucoup dans les conseils communaux des membres du parquet, on voit peu du siège. Mais ils vont vous dire, et ils n'auront pas tort, comme le président de la commission tout à l'heure nous le rappelait, que le juge a peu de temps et il est débordé. Bon. Mais encore dans mon esprit d'escalier, votre question me fait penser à une autre frustration de parlementaire pour le coup.
sur la manière dont une politique publique peut être concrétisée par l'institution judiciaire. Parce que nous évoquions tout à l'heure les remontées d'informations, mais il y a le parallèle qui est la fin des instructions individuelles. Et naturellement, elles étaient parfaitement indispensables pour éviter qu'il y ait une suspicion de politisation. Mais néanmoins, je voudrais vous faire partager ce qui reste une tristesse incomprise. La précédente législature, sous l'autorité de Christiane Taubira, avait imaginé une nouvelle peine qui s'appelait la contrainte pénale. C'était une peine de probation destinée à éviter l'incarcération et à prévenir la récidive, puisque c'était là-dessus que c'était l'essentiel. C'était un combat politique. Difficile d'ailleurs, François Fillon dans sa campagne proposait d'effacer cette contrainte pénale. Et donc, nous sommes battus pour faire une alternative aux courtes peines. D'ailleurs, on l'avait mis dans le code pénal. Je pense évidemment à son père législatif, qui était Dominique Grimbourg, député de Loire-Atlantique, qui a été le président de la commission des lois quand je suis rentré au gouvernement. Et il avait souhaité justement que cette peine soit mise dans le code pénal juste après l'entrée d'emprisonnement, de manière symbolique. Le parlementaire, les députés, dans un combat politique, créent une peine alternative à l'incarcération. C'est un choix politique. Deuxième élément, dans ma circulaire de politique pénale, la loi date de 2014, dans ma circulaire de politique pénale que je fais en 2016, je suggère au parquetier de faciliter le prononcé de la contrainte pénale. Et j'écris, cet outil est peu utilisé, il est pourtant, nous le croyons utile, parce qu'il facilitera un certain nombre d'éléments, mais donc ça serait bien que vous le prononciez, enfin que vous le réclamiez. Dans un rapport que j'ai remis au Parlement, là encore, parce que dans la loi de 2014, il y avait une obligation qui était au bout de 2 ans de rendre un rapport d'application. Je l'ai rendu au mois d'octobre 2016. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que cette contrainte pénale n'était pas utilisée, parce qu'elle n'était pas requise par les parquetiers, et qu'elle n'était donc pas prononcée par les juridictions. Et là, je veux pointer ici cette espèce d'impuissance. Le Parlement fait des choix de politique pénale et l'institution derrière peut très bien, pour des raisons qui peuvent parfaitement légitimes, peut-être que la peine était mal écrite, peut-être qu'elle avait des malfaçons. Mais j'ai en tout cas constaté que bien qu'elle l'ait mis dans ma circulaire politique pénale, ça ne prenait pas dans l'institution judiciaire. Et donc, comme ancien parlementaire, je me dis, mais à quoi servent les lois que nous votons ? Oui. Merci, monsieur le ministre. Je partage votre analyse et le constat sur la contrainte pénale pour avoir regardé ça aussi de très près. Il y a d'ailleurs une enquête universitaire qui a été faite par le CESDIP et l'INSJ sur la contrainte pénale en tant que telle. Personnellement, j'ai vu un endroit où elle était très prononcée, anormalement prononcée, on pourrait dire, parce que très prononcée, c'est au tribunal de Saint-Denis, à La Réunion, où l'expérience a été plutôt concluante et ça fonctionnait au vu des objectifs qui étaient demandés de prévention de la récidive. Donc, comme quoi, c'était visiblement une bonne intention. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et n'hésitez pas, j'ai vu que vous suiviez du coup les précédentes auditions, vous l'avez évoqué, à regarder les suivantes et à nous faire part éventuellement de commentaires complémentaires aux rapporteurs pour nourrir notre réflexion. Merci aux collègues d'avoir posé les questions et nous allons pouvoir passer à l'audition suivante. Donc, vous pouvez quitter l'application, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.